Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club. J'espère que vous allez bien. Ici Alexander aux manettes pour vous animer cette partie quotidienne. Nous sommes lundi. Le lundi, c'est jour de partie normale, aléatoire, à vocabulaire complet, c'est-à-dire que, à part générer les tirages aléatoirement avec le logiciel et choisir éventuellement entre deux isotopes, celui qui ouvre le mieux la suite de la partie, comme on fait dans n'importe quelle séance de club ou partie de tournoi, il n'y a que du hasard qui est intervenu ici pour cette partie. Donc elle peut être longue, elle peut être courte, elle peut afficher un gros score, un gros cumul ou pas. C'est le hasard qu'on a décidé, c'est les parties que certains d'entre vous apprécié. Donc voilà, je vous mets le lundi, partie 100% aléatoire, et puis les autres jours de la semaine, c'est un petit peu plus, un petit peu plus préparé. Il y a des parties à vocabulaire courant, donc là, carrément, je sélectionne pour éviter qu'il y ait des mots un peu incongrus. Et puis les autres parties qui restent à vocabulaire complet, je vais avoir tendance à annuler certains tirages parce que ou revenir sur certains coups quand il y a vous savez quand il y a plusieurs fois d'affilée, on joue une, deux, trois lettres et puis ça s'empâte dans un coin de la grille. Là, c'est jamais très agréable, je trouve, à jouer. Donc voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Donc je rappelle, le lundi, partie normale, le mardi, partie normale à vocabulaire courant, le jeudi, je vais y arriver, le mercredi, partie joker à vocabulaire complet, le jeudi, partie joker à vocabulaire courant, le vendredi, partie détonante à vocabulaire complet. Partie détonante, c'est 1100 points minimum et maximum 19 coups. Et le samedi, partie originale, 7 sur 8 à vocabulaire courant. Et particularité de la chaîne Duplicate Club, chacune de ces parties vous est proposée en 3 temps de réflexion. Il y a trois versions. Il y a une version en 2 minutes qui est diffusée à 10h, une version en 3 minutes à 14h et une version en 1 minute en blitz à 20h. Et puis après leur première diffusion, les parties sont disponibles à tout moment. D'ailleurs, vous avez une sacrée bibliothèque là, si vous avez envie de jouer. Il y a de quoi faire. Vous allez vous naviguer dans la chaîne, dans les playlists. Et puis vous trouverez votre bonheur. Allez, j'ai assez parlé, on va démarrer tout de suite cette partie. Je vous la souhaite très agréable. Et voici votre premier tirage. Ah oui, petite précision, à l'issue de la partie, il y aura un décodage, c'est-à-dire on passe en revue les coups pour voir les isotopes et les sous-topes. On voit également les définitions des mots peu courants. Et puis, troisième temps du décodage, on passe en revue les tirages pour en voir les tirages de la partie, pour en voir les potentialités, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et puis parfois 9 lettres aussi, qu'on n'aurait pas vu ni pendant la partie, ni pendant le premier temps du décodage. Voilà, allez, on y va, je vous souhaite une très bonne partie. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Et voici Italie I, Maroc M, Égypte E deux fois, Norvège N, Égypte E c'est le troisième, et Italie I. Vous jouez avec Italie deux fois, Maroc, Égypte trois fois et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé.
Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous pour qu'on soit un maximum chaque jour. Alors, le top de ce premier coup. 18 points. Horizontalement, en H8, nous posons énième. Attention à l'orthographe. Donc, E-N-I-E. Le M sur la case bleue et le deuxième E. Énième. Donc, on part de la case centrale. E-N-I-E-M-E. En H8, en H8, donc ça fait 18 points. Au reliquat, une lettre, Italie. On prend Maroc M. Le premier joker, lettre blanche. Suisse, S. Italie, I, c'est le deuxième. Portugal, P. Italie, I, c'est le troisième. Vous jouez avec Italie trois fois, Maroc, joker, Suisse et Portugal. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 20 points. Attention à la solution choisie. Nous n'allons pas utiliser le joker pour ce top. Horizontalement, en G8, en collant au-dessus des quatre premières lettres de énième, nous posons MIPS. M-I-P-S. Verticalement, on forme ME, IN, PI et SE avec les quatre premières lettres de énième. MIPS en G8, ça fait 20 points. Au reliquat, trois lettres, Italie deux fois et joker. On prend quatre autres lettres qui sont Luxembourg L, Tunisie T, Venezuela V et Norvège N. Vous jouez avec Italie deux fois, joker, Luxembourg, Tunisie, Venezuela et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
le coup est terminé. Un maximum à 80 points. Verticalement en 13G. Le joker sera un A d'Algérie. Nous jouons en appui sur le troisième et dernier E de énième en descendant ventilé. V, E de énième, N, T, I, L. Le joker qui est un A d'Algérie et I. Ventilé, V-E-N-T-I-L-A-I, en 13G. Ça rapporte 80 points. Après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat, voici Norvège N, Uruguay U, Suisse S, Roumanie R, Tunisie T, Uruguay U, deux fois, ce qui vous en fait trois. Vous jouez avec Norvège, Uruguay trois fois, Suisse, Roumanie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Points. Horizontalement en H7, nous allons transformer énième en reniement. On met le R devant énième. Ensuite, on a énième et on ajoute à la fin NT. Reniement, R-E-N-I-E-M-E-N-T, en H7, ça rapporte 30 points. Quatre lettres au reliquat, Suisse et Uruguay trois fois, auxquelles nous ajoutons Tunisie T, Égypte E, Algérie A. Vous jouez avec Suisse, Uruguay trois fois, Tunisie, Égypte et Algérie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 26 points. Attention, faites très attention à la solution choisie. Horizontalement en haut 12, de façon à mettre un T au bout de ventilé. Nous posons UT. U-T-E-S. Le T transforme ventilé. AI en ventilé AIT. UT, UTES en O12. Ça rapporte 26 points. Au reliquat, 3 lettres, Algérie et Uruguay 2 fois, vous allez les rejeter. Donc vous rejetez le A et les 2 U. Et on repart avec Égypte E. Tunisie T. France F. Égypte E, c'est le deuxième. Italie I. Algérie A, Égypte E, c'est le troisième. Vous jouez avec Égypte 3 fois, Tunisie, France, Italie et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 38 points, horizontalement en N10, en appui sur le deuxième I de ventilé et en collant au-dessus de UT, nous posons FIET, F, I, A, I de ventilé et T. Le A forme O, A, U et le T forme T, T, E, avec le U et le E de UT. FIET, F, I, A, I, T en N10, ça fait 38 points. Lettre au reliquat, Égypte 3 fois. En voici 4 autres pour compléter. Luxembourg, L. Maroc, M. Canada, C. France, F. Vous jouez avec Égypte 3 fois. Luxembourg, Maroc, Canada et France. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 30 points. Faites très attention à la place. Horizontalement en L8. On appuie sur le L de ventiler. Nous posons femelle. Donc ça démarre en L8. Le F sur la case bleue. E. M, E, L, le L de ventiler, et encore un E. Femelle, F, E, M, E, 2 L, E, attention, c'est le deuxième L de femelle qui se confond avec celui de ventiler, c'est en L8, et ça vaut 30 points. Au reliquat, une lettre Canada, vous la rejetez. Donc vous rejetez le C. Et voici Portugal, P. Danemark, D. Algérie, A, deux fois. Italie, I. Égypte, E. Et Uruguay, U. Vous jouez avec Portugal, Danemark, Algérie deux fois, Italie, Égypte et Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top qui s'élève à 65 points. Faites très attention à la place. Nous allons jouer horizontalement en J7. On appuie sur le T disponible de ventilet. Nous posons Depiota. D-E-P-I-A-U. Le T de ventilet est A. Attention, nous avons joué le mot horizontalement en J7 sur le T de ventilé, Depiota, D-E-P-I-A-U-T-A, pour 65 points. Après ce Scrabble, au reliquat, aucune lettre. Et voici donc un tout nouveau tirage. Luxembourg, L. Roumanie, R. Égypte, E, deux fois. Roumanie, R, c'est le deuxième. Norvège, N. Égypte, E, c'est le troisième. Vous jouez avec Luxembourg, Roumanie deux fois, Égypte trois fois.
et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 27 points. Faites très attention à la terminaison choisie horizontalement, verticalement en 8J en double appui sur le E de dépiota et le F de femelle. Nous descendons. Enflé. E-N-F-L-E. Et attention, la dernière lettre est un R de Roumanie. Enflé, E-N-F-L-E-R, en 8J. Ça vaut 27 points. Je m'aperçois que l'historique ne s'affiche pas. Le voici. Toutes mes excuses pour ce début de partie où il ne figurait pas. Un reliquat de trois lettres. Égypte deux fois et Roumanie. On ajoute Tunisie T. Danemark D. Algérie A. Et votre deuxième joker, lettre blanche. Vous jouez avec Égypte deux fois, Roumanie, Tunisie, Danemark, Algérie et Joker. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 80 points. Le joker est remplacé, le joker remplace un I d'Italie. Verticalement en 15A pour terminer sur le T de reniement. Et donc du coup, faites attention à la place. Nous partons de la case rouge en 15A avec réédita. R-E-E-D. Le joker est un I d'Italie. T A et le T de reniement. Réédita, R-E-E-D-I-T-A-T, en 15A, ça vaut 80 points.
Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Suisse S. Venezuela V. Québec Q. Québec. Canada C. Italie I. Uruguay U. Et Kenya K. Kenya. Vous jouez avec Suisse, Venezuela, Québec, Canada, Italie, Uruguay et Kenya. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 33 points. Horizontalement en N5 pour terminer sur le E de Enflé, le E disponible de Enflé, nous posons ski S K I E. Ski S K I E en N5. Ça vaut 33 points. Quatre lettres reliquats, Canada, Québec, Uruguay et Venezuela. On ajoute Luxembourg L. Canada, c'est Océanie O. Vous jouez donc avec Canada deux fois, Québec, Uruguay, Venezuela, Luxembourg et Océanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 42 points. Attention à la place. Horizontalement en B10 pour terminer sur le premier E de Réédita. Nous posons cloc C sur la case bleue. L-O-Q-U-E, le premier E de Réédita. Nous avons bien joué cloc en B10 sur le premier E de Réédita. Un score de 42 points.
au reliquat deux lettres, Canada et Venezuela. On ajoute Belgique, B, Océanie, O, Suisse, S, Égypte, E, et Hongrie, H. Vous jouez avec Canada, Venezuela, Belgique, Océanie, Suisse, Égypte et Hongrie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 50 points. Horizontalement en O1, pour terminer sous le S de ski, nous posons Bosch, B-O-C-H-E, le E formant ce, avec le S de ski. Bosch, B-O-C-H-E en O1, ça fait 50 points. Un reliquat de deux lettres, Suisse et Venezuela, que vous allez rejeter. On rejette le S et le V. Et on prend cette nouvelle lettre, Océanie O, deux fois. Algérie A. Suisse S. Grèce G. Roumanie R et Tunisie T. Vous jouez avec Océanie deux fois. Algérie, Suisse, Grèce, Roumanie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 30 points. Verticalement en 15J, de façon à mettre un T au bout de Depiota et un S au bout de femelle, nous descendons Tosa, T-O-S-A. Le T transforme Depiota A en Depiota AT et le S met femelle au pluriel. Tosa, T-O-S-A
en 15 J, ça rapporte 30 points. Un reliquat de trois lettres, Grèce, Océanie et Roumanie. On ajoute Venezuela, V. Yougoslavie, Y. Uruguay, U. Et Danemark, D. Vous jouez avec Grèce, Océanie, Roumanie, Venezuela, Yougoslavie, Uruguay et Danemark. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 42 points. Verticalement en 12A, on appuie sur le haut de cloc. Nous descendons voyou. V, O, Y, O, U. Voyou, V, O, Y, O, U en 12A. Ça vaut 42 points. Trois lettres reliquats, Danemark, Grèce et Roumanie, que nous allons accompagner de quatre autres, Italie I, Algérie A, Zambie Z, Uruguay U. Vous jouez avec Danemark, Grèce, Roumanie, Italie, Algérie, Zambie et Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Ce coup, le maximum s'élève à 28 points. Verticalement en 11J, en triple appui sur le premier A de Depiota, le deuxième E de femelle et le premier I de fillet,
Nous descendons Azeri. A-Z-E-R-I. Azeri, A-Z-E-R-I, en 11J, ça rapporte 28 points. Au reliquat, 5 lettres, Algérie, Danemark, Grèce, Italie et Uruguay. Vous ajoutez Océanie, O. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Algérie, Danemark, Grèce, Italie, Uruguay, Océanie et Roumanie, chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 73 points. Horizontalement, en K1, pour terminer sur le N de enflé, nous posons Rigaudon. R-I-G-A-U-D-O et le N de enflé. Le O forme Do, D-O, avec le D de Dépiota. Rigaudon, R-I-G-A-U-D-O-N, en K1. Ça fait 73 points. Après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat. Voici Suisse S. Océanie, O. Norvège, N. Wallonie, W. Algérie, A. Suisse, S, c'est le deuxième. Et Uruguay, U. Vous jouez avec Suisse deux fois, Océanie, Norvège, Wallonie, Algérie et Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 50 points.
Verticalement en 3i, en appui sur le G de Rigaudon, nous descendons wagon. W, A, G de Rigaudon, O, N. Wagon en 13i, pardon, en 3i. En 3i, wagon, W, A, G, O, N, ça fait 50 points. Trois lettres au reliquat, Suisse deux fois et Uruguay. On ajoute quatre lettres qui sont Hongrie H, Grèce G, Algérie A et Belgique B. Vous jouez avec Suisse deux fois, Uruguay, Hongrie, Grèce, Algérie et Belgique. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Trente-neuf points. Verticalement en 4G, en collant à droite de wagon et en appui sur le A de Rigaudon, nous posons Abusa. A, B, U, S, le A de Rigaudon et encore un S. Horizontalement, on forme Wu, As et Os avec trois des lettres de wagon. Abusa. A-B-U-S-A-S en 4G, ça rapporte 39 points. Un reliquat de deux lettres, Grèce et Hongrie. Nous y ajoutons Xénophon X. Norvège N. Algérie A. Roumanie R. Et Luxembourg L. Vous jouez avec Grèce, Hongrie, Xénophon, Norvège, Algérie, Roumanie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
le coup est terminé. Un maximum à 30 points. Horizontalement en E9, on appuie sur le U de voyou, nous posons gros G R A U X. Gros G R A U X, on verra la définition tout à l'heure pendant le décodage. En E9, ça fait 30 points. Aurica, trois lettres, Hongrie, Luxembourg et Norvège. Vous avez très certainement commencé ou déjà pris les lettres qui restent, à savoir Égypte E, trois fois, et Jordanie, J. Vous jouez donc avec Hongrie, Luxembourg, Norvège, Égypte trois fois et Jordanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 30 points. Horizontalement en J2, on appuie sur AS déjà sur la grille et en collante au-dessus de Rigaudon, nous posons HAS. H, A, S, E. Le H forme I et le E forme U avec le I et le U de Rigaudon. HASE, H-A-S-E, en J2. Ça nous vaut 30 points. Cinq lettres reliquats, Égypte 3. Deux fois Jordanie, Luxembourg et Norvège, et c'est un tirage suffisant pour continuer. Donc vous jouez avec ces cinq lettres-là, Égypte deux fois Jordanie, Luxembourg et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé.
maximum à 21 points. Horizontalement en J9, terminé sous le C de cloque, nous posons je, J, E. Le E formant ce, CE avec le C de cloque. Je, J, E en C9. Ça vaut 21 points. Vous avez un reliquat de trois lettres, Égypte, Luxembourg et Norvège. Et comme il y a au moins une voyelle et une consonne, eh bien c'est un tirage valide. Donc, vous jouez avec Égypte, Luxembourg et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce qui sera le dernier coup de cette partie 100% aléatoire s'élève à 20 points horizontalement en O11. Nous transformons UT, UTES en UT avec un E, EUTES, de façon à mettre Azeri au féminin. UT, EUTES en O11, ça rapporte 20 points. Voilà, c'était le dernier coup de cette partie aléatoire qui en compte 23 coups et qui affiche un top cumulé de 902 points. Allez, on va tout de suite aller décoder cette partie. Allez, on y va pour le décodage de cette partie. Alors, je rappelle le principe du décodage. On a trois temps. Dans un premier temps, on va passer tous les coups de la partie en revue pour voir les autres solutions au top et puis les principaux isotopes. Dans un deuxième temps, on voit les définitions de la partie, des mots courants, alors, soit qu'on a rencontré en top ou alors en sous-top ou bien des mots qui ressemblent. Et puis troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8 et 9 lettres que nous n'aurions pas vues, les solutions possibles hein, que nous n'aurions pas vues pendant le premier temps du décodage ou pendant la partie en elle-même. Voilà, et puis en bas vous avez deux petits bandeaux qui défilent. Alors le premier c'est une sélection de quelques mots et leur nature rencontrés pendant la partie que je considère important à retenir. Et puis en dessous, alors ça dépend, là c'est un rappel de tout ce qui existe autour du mot bisu, B-I-Z-U-T. On peut l'écrire avec un H, B-I-Z-U-T-H, et puis il y a le verbe bisutage, bisuteur, bisuteuse, bisuté. Il y a le verbe bisuter, pardon, les substantifs bisutage, bisuteur, bisuteuse, voilà. Et puis bah, après je vous laisse regarder pendant les moments où vous voulez en fait hein. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez recopier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'essentiel c'est que vous vous abonniez à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. C'est très important ça. Alors on y va. Donc au premier coup on a joué énième avec un E, hein, c'est ce qu'on peut aussi écrire le mot N-I-E-M-E, voyez, comme ça.
Et donc, énième, c'était la seule possibilité à 18 points, seul mot de 6 lettres avec le seul mot de 6 lettres avec ce tirage, et qui permet en plus de placer le M sur la case bleue. Sinon, on était à 16 points avec mener, miner. Et puis, on verra tout à l'heure les possibilités de scrabler sur une lettre d'appui. Il y a notamment le L pour éliminer. On va voir tout à l'heure s'il y a autre chose. Alors, le coup suivant. Bon, un coup un peu frustrant pour le joker. On a IS, on a 3I, donc c'est ça qui rend le Scrabble difficile. Et puis la grille n'est pas très ouverte. Sinon, sur un R ou un A, on avait imprimé à IS. Primidi aussi sur un R ou un D. On verra tout à l'heure s'il y a d'autres potentialités. Et là, donc, on avait plusieurs solutions à 20 points. Des mots doubles avec ampli, emploi, prisme, épier, pipi qui mettait un S à énième et qui triplait le P. Tipeee, pareil, tout ça, ça faisait 20 points. Et on a retenu MIPS, MIPS en collante. Pourquoi on l'a retenu ? Bien parce que ça conservait le joker, tout simplement. C'est très intéressé comme méthode, comme principe. Mais voilà, du coup, on garde le joker pour la suite. Alors, le coup suivant, justement, le joker est toujours là. On va l'utiliser comme un A pour la terminaison AI. Avec ventiler, le V qui double, le mot qui double, ça fait 80 points. On a également lénitive qui double aussi le V, mais qui ne recouvre pas la deuxième case bleue. Donc ça fait 2 points de moins, 78. Moins bien placé, 74. Vigile, du verbe vigiler, même colonne en mot double, mais sans le V qui double, ça fait 74 aussi. Vinylite, joker Y, c'est splendide, mais ça ne rapporte que 72. Et alors, on a un superbe, on va voir la définition tout à l'heure, mais si ça, ça se mange, Involtini en 9A ou en 9G, un 9 lettres, c'est toujours très joli. L'anagramme de ventilé nivelé faisait 65, vitellin en 13E ou 13, en 13E. 62 ou 61 selon où on mettait le joker. Voilà, c'est tout. Donc on a vu tous les scraps possibles et puis ensuite l'éviter, veiner avec le V qui double, le mot qui double, on avait 28 points sans scrabler. Le coup suivant, alors ça c'est un coup absolument superbe. Ça, on appelle ça un super Benjamin. Voilà, on rajoute des lettres devant et des lettres derrière. C'est très rare et en général, quand ça se produit, c'est souvent des prolongements, on va dire, naturels. C'est-à-dire on rajoute un préfixe classique du style ajuste, on met un R devant et puis on peut mettre des lettres derrière et on conjugue. Voilà, on transforme ajuste E en rajuste ENT, par exemple. Ça arrive plus souvent. Mais alors là, transformer énième en reniement, ça, c'est vraiment balèze. Et si vous l'avez trouvé, alors moi, je vous dis chapeau, parce que ça, c'est vraiment un coup de champion. Allez, de champion du monde. Hein. Ah ouais, si on ne rate pas les coups à côté, avec ça, on est champion du monde. Oui, ça, c'est sûr. Non, franchement, c'est magnifique. Et c'est le hasard hein, qui l'a fait. Voilà. Surtout que le tirage n'est pas très réjouissant. Hein, beaucoup de U. Et donc, sous top à 20 points, avec sur, su ou tu en au 13, on prolonge ventilé et on triple. Urus en 14E faisait 19. Je ne vous ai pas mis la définition de celui-là, je vais l'ajouter. Et on va revenir dessus tout à l'heure. 14E, donc Urus, ça faisait 19. Voilà, puis même place, une lettre de moins. 18 points avec nu, ru, tu. Et c'est tout. Voilà, donc en dehors du top, un tirage pas très intéressant. Un coup pas très intéressant. Un tirage non plus d'ailleurs. Alors ensuite, bon bah là c'est pareil, sauf qu'on n'a plus la possibilité de faire un truc spectaculaire comme reniement. On va juste mettre un S ou un T au bout de ventilé, jouer un mot de 4 lettres. Il y avait plusieurs solutions donc pour 26 points. On avait Eto, Usa, Ast. Et on a retenu UT, UTES en haut 12, donc 26 points.
en collante là-haut, saté en F7, ça faisait 20. Ce nœud en 14F, 20 aussi, et puis plusieurs solutions en 3 lettres, là, en haut 13, tout ça, ça faisait 20 points également. Le tirage, le coup suivant, on a fié, F qui double, qui triple, pardon, le mot qui double, et puis on colle sur quelques lettres, ça fait 38 points, c'est pas mal. Sous top fané, avec le F en triple et le mot en collante, 29. Fécial en L8, ça rapporte 28 et sans le E, 26. Fête, F-A-I-T-E en N11, ça fait 24. Là, c'est comme fillé, mais avec le F qui ne triple pas, donc ça fait beaucoup moins. Alors, le coup suivant. On a femelle à 30 points, sous top clé en L12, le F qui double, le mot qui double, ça fait 26. Alors femelle passait aussi en décalant d'une case, mais du coup le F ne doublait plus, donc ça fait moins. Méfié qui fait ut ou à 23, mené en 14F, en collante, le M qui triple, ça fait 23 aussi. Allez, on passe au coup d'après. Alors là c'est pareil, un très joli coup sur le T, dépiota. Alors, le mot passé à la verticale aussi en 15B, mais pour un point de moins, 64. Le top était à 65. Et sous top à 29 avec Dupé en triple, DUPAI. Dupa à 26. Et puni en 14F, ça fait 26 également. Le P qui triple et la collante. Alors, le tirage d'après, pas beaucoup de place pour scrabler toujours. On a joué enflé ER, on pouvait également jouer enflé EE, on a retenu le R pour diversifier les appuis potentiels entre les lignes N et O, et puis pour le reliquat, pour éviter d'avoir deux R dans le reliquat. Fêlé en 8L, ça faisait 21. Annery en 11J, 17. Alors là, un tirage un peu plus riche, un peu plus fertile, grâce au joker notamment. Et puis le A, le T, le E, tout ça, ça permet des terminaisons verbales, notamment ERENT, AT, ENT, etc. Donc vous voyez, il y a plein de solutions à 77, d'ATER, d'ECRETA, d'EPETRA, d'ERATA, d'ESERTA, d'ETERA. Et on n'a que REEDITA qui fait 80, puisque le D est placé sur la case bleue. Et on a une autre place pour scrabler en O1 avec des verbes en ER. Extradé, pétardé, retardé. En F4, on a estrade, jolie collante qui fait 26. Alors, estrade, extrade, tétrade et prédaté qui va faire un point de moins. Et puis, on va s'arrêter là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions avec ce tirage très équilibré en voyelle consonne, avec le joker, avec une grille assez ouverte. Il y avait de quoi faire. Alors ensuite, bon, bah pas grand chose. Là, hein, le K sur les cases, le K ou le Q sur les cases bleu foncé. On n'a que ici avec le Q à 26 et le top ski à 33. Xi en 15K, ça fait 26. Il n'y a même pas le K qui double, non, c'est juste on met femelle au pluriel. Skier en double ici ou là. Bon, retenez que le verbe skier, alors je sais plus quand c'est rentré, mais pendant très longtemps le verbe avait son participe passé invariable. On pouvait pas skier quoi que ce soit. Et puis depuis quelques années, on peut écrire skier et e puisqu'on peut skier une piste en fait. Hein, voilà, la piste que j'ai skiée était très difficile, donc skier et e. Mais ça n'a pas toujours été valable. Alors, le coup d'après. Clock, bien placé, hein, parce que sinon, là, ça fait moins, ça fait 30. Là, on est à 42 parce qu'on a le C qui triple en plus du mot qui double. Et puis, même place pour 28 points, coq. Coq au pluriel, COQS en 5K, ça fait 26. Voilà, rien d'extraordinaire sur ce coup. Alors, le coup suivant, Bosch avec le H qui double, le mot qui triple en O1, ça fait un gros score, 50. Même place, on a chose
qui fait moins, puisque c'est le S qui double à la place du H, et puis on n'a pas le B, donc ça fait 35. Bosch se met aussi au pluriel en 12A pour 32, égalé par coobé. Un verbe à retenir, Lucie. Écho en A7, ça faisait 31. Alors, le coup d'après. Tosa, on verra la définition tout à l'heure, c'est un nom commun, ce n'est pas un verbe. Ça fait 30 points en 15J, on met un T à des piotas et sa femelle, c'est pour ça que le score est assez élevé. Même place, ta et to à 29. Gastro en A5, 25. Et en 2J, 22. Le coup d'après, voyou, avec le V qui double, le mot qui tripe, ça fait 42. Et le sous-top, c'est au même endroit, sans doubler, sauf le Y, iode, à 23. York, à 22. Gour et youpi, à 18. Alors ici, pas de E pour draguer ou godirer. Donc on ne scrable pas. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose comme appui. Le top, c'est Azeri en mot double, en triple appui, donc c'est pas facile. Sous top, moins 2 avec Azur en E10 ou Zo en 2M, deux fois des mots qu'on double. Zarb avec juste le Z qui double en 1L, ça fait 25. Alors, ici, Droguet, Scrabble sec, qui passe en C4 pour 66. Et on a également donc le top, Rigodon, qui s'écrit aussi avec un O à la place de AU. On verra la définition après. Un joli coup, un joli appui, joli tirage, drogué plus joker. Donc, on verra tout à l'heure les autres possibilités. Enfin, je dis joli tirage. En fait, je ne sais même pas s'il y a beaucoup d'autres solutions à part ST de drogué. On verra tout à l'heure. Et donc, les sous-tops sans scrabler, audio et radio à 22, en A6. Le tirage d'après, le coup d'après, le W qui double, le mot qui double, wagon. Le hasard a bien fait les choses. On se croirait presque dans une partie à vocabulaire courant, là, sur certaines séquences. Mais c'est bien le hasard qu'on a décidé. Sous top à 34 avec swin en 2i. Et sas et su, sus, ça fait 33 en F10. Le coup d'après, Abusard en 4G, en collante, à droite de wagon, ça fait 39. On enlève le A, ça fait 37. Et puis, de nouveau, ça et SAS et SU, SUS en F10, ça fait 33. Bas BH, le B en pivot, 29. Allez, on s'approche de la fin de la partie. Il y a de moins en moins de choses intéressantes. Gros GRAU, alors pluriel S ou X. Et c'est la même chose que... Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est le même... Même double pluriel que Cro, C-R-A-U, son cousin, c'est deux mots qui se ressemblent, qui sont tous les deux des mots de Provence. On va voir les définitions tout à l'heure. Ça faisait 30, donc sous top 26 avec Lux et AI en E11. Anse, H-A-N-S-E en 11D, ça faisait 25. Et puis là, on joue As à 30 points, la femelle du lièvre, et les faisait 24. Le coup d'après, bon bah juste je, je, le j qui double et on forme ce. Et le dernier coup, on met azeri au féminin pour faire ut du verbe avoir au passé simple pour 20 points. Et sinon, si on n'y pense pas, eh bien on a il, H-I-L-E, en 2J pour 12 points. Allez, on va passer aux définitions des mots peu courants rencontrés dans la partie. Oui, alors en ce moment, je vais mettre le mot playlist au début parce que je trouve ça magnifique qu'on puisse l'écrire comme ça maintenant, avec un E en 9 lettres. Et puis aussi parce que la chaîne est justement organisée en playlist. Donc si vous voulez par exemple jouer que des parties à vocabulaire courant pendant une certaine période, eh bien vous allez dans la playlist vocabulaire courant et vous aurez toutes les parties, quelle que soit la durée, quel que soit le principe, que ce soit une partie joker, partie normale, partie 7 sur 8, etc. Si vous voulez jouer des parties en 2 minutes, vous prenez la liste, la playlist partie en 2 minutes, etc. Donc c'est dans l'onglet playlist de la chaîne.
Et c'est une articulation que je trouve intéressante pour vous aider à vous y retrouver, parce qu'il y a beaucoup de parties sur la chaîne quand même. Voilà, donc les définitions. Énième, bon, c'est la même chose que énième sans le E, hein, ça veut dire à telle ou telle place, hein, ou telle, c'est la énième fois, c'est-à-dire N plus le nombre inconnu N plus le préfixe. MIPS, toujours avec un S, j'ai dit préfixe, suffixe M, IM. MIPS en informatique, alors c'est toujours avec un S, hein, MIPS, c'est un nom masculin, 1 million d'instructions par seconde, hein, ça doit être un acronyme, 1 million d'instructions par seconde, voilà, c'est une unité donc en informatique. Lénitif, lénitive, qui calme, adjectif, skier, descendre une pente à ski, donc skier, on peut l'écrire EE. Cloquer, je l'ai mis parce que c'est un verbe pareil, hein, qui se met au dont le participe passé est variable, donc on peut écrire cloquer et e, même si c'est pas évident vu la définition. Se boursoufler. Tosa, chien d'attaque japonais, donc ça n'est pas un verbe. T-O-S-A. Azeri, avec ou sans e, adjectif et nom masculin de l'Azerbaïdjan, le nom masculin étant la langue. Rigodon, donc avec un AU ou avec un O, c'est une ancienne danse vive et gaie. Et pour ceux qui connaissent ou qui veulent découvrir, c'est aussi le nom qu'on donne à ce petit rassemblement final au carnaval de Dunkerque à la fin d'une bande. Tout le monde se met autour de la fanfare et c'est la fin de la bande et on appelle ça le rigodon. Alors, swin, variante simplifiée du golf. Gros, pluriel S ou X, est un chenal entre un étang et la mer dans le Midi. Donc, par exemple, le gros du roi. Hein. Et la crau, C-R-A-U, nom féminin, pluriel pareil, S ou X, région couverte de cailloux en Provence. Involtini, un rouleau de viande farcie hors d'œuvre italien. C'était magnifique ce neuf lettres là quand même. Hein. En sous-top, Kobe signifie distiller plusieurs fois. Vigiler en Afrique, ça veut dire surveiller ou contrôler. Iode en phonétique, c'est une semi-voyelle palatale. C'est le son ie, comme on a dans voyelle. Gour ou gourde, engourdi par le froid, adjectif. York, c'est l'abréviation du Yorkshire, le chien. Zoo, hybride de vache et de yak au Tibet. Zarb ou zarbi, bizarre, familier bien sûr. Anse, association de marchands ou de cité marchande, un terme historique, c'est un nom féminin. Et Ur, pour Urus, c'est la même chose que Auroch, hutte d'un peuple amérindien. Ast, sarment de vigne, porteur de fruits. Il, en anatomie, c'est le point d'attache d'un vaisseau à un viscère. Voilà, on en a terminé pour les définitions. On va passer maintenant aux potentialités des tirages. Donc, je change d'affichage. Et nous y voilà. Donc, au premier tirage, on a eu... une seule possibilité, c'était en 8 lettres avec un L. On aurait pu jouer éliminer. En 9 lettres, on va jeter un œil, mais bien aimé, c'est magnifique. Bigéminé, féminisé, minimexé, émilienne, émirienne, inséminé. Bon, plein de jolies 9 lettres. Le coup d'après. Alors, pourquoi il n'y avait pas imprimé? Ah oui, ça faisait 9 lettres imprimées à IS. Voilà, donc il n'y avait que Primidi sur R ou D, et en 9 lettres, voilà, imprimé, optimisé, simplifia, simplifié, primitif, mini-trip, splendide. Alors, ensuite, alors là, je veux juste te dire ce qu'on n'a pas vu, vigilant,
et volition. Les autres, on les a vus. Je ne mets pas les 9 lettres parce qu'il y en aura beaucoup avec les conjugaisons et tout. Alors, le tirage d'après, ben, il n'y avait rien. Et pourtant, on a joué un mot de 9 lettres. Rien en 7, rien en 8, rien en 9. Le tirage suivant, idem. Ensuite, on avait enfêté sur un N et en 9 lettres, un béatifié, acétifié, cafetière, cafetterie. Affêterie, renfêtée, redéfaite. Ok. Le tirage d'après, rien en 7, rien en 8 et en 9 non plus. Alors, où il y avait diapose sur un S en plus de dépiota, ça c'est splendide. Et en 9 lettres, applaudi, pintado, persuadé. Et puis tous les dépiotas transformés. Ensuite, alors, crénelé, grénelé. Et puis donc, crénelé. Donc, crénelera et grénelera. Voilà. Brélère, crénelure, encerclé, enfleuré. Engrélure. Voilà, pas mal de solutions en 9 lettres. Oula, on zappe, il y en a trop. Ici, ben, il n'y a rien du tout en 7, en 8, en 9. Là, c'est pareil. Bavoche sur un A, c'est splendide. Et puis bavocher et ES en 9 lettres. Rogaton et ragoton. C'était le N était le seul appui possible pour scrabler sur ce coup. Et on n'a pas, pas pu. Grouvat et pogotera, gargoton, ragotion, rogation. Donc on a rogaton, qui sont un nom commun. Et rogation. Et ragoton, c'est un verbe. Ensuite, alors ici, rien en 7, rien en 8 et rien en 9. Et bien là, il y avait gradué, bien sûr. Hein, quand il y a dragué, il y a gradué. Et puis godiré, je l'avais dit. Et en 9 lettres, daguerrier et godirier en plus. Le tirage suivant. Voilà, donc oui, alors c'est un joli tirage si on veut, il n'y a pas grand-chose, mais les deux appuis hors appui naturel que sont le S et le T sont jolis. Donc on a Rigodon, ON et Prodiga. Voilà, et en 9 lettres, bon, qu'est-ce qu'il y a de joli? Gaudriol et Dialogué. Et puis le reste, ce sont des conjugaisons bigourdants. Adjectif, hein, bigourdant, bigourdane, de la région de la Bigorre. Le tirage suivant, rien en 7, rien en 8, rien en 9. Le tirage d'après, c'est pareil. Et puis là, on s'approche de la fin, il n'y a plus rien. Et là, c'est pareil, rien du tout. Donc allez, je reviens sur un truc qui n'est pas trop vide. Allez, restons là sur le drogué plus joker. Et donc on a terminé, donc merci d'avoir suivi cette partie et son décodage, voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 bricoles, et puis surtout bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne et puis à en parler autour de vous, hein, la chaîne du Piquette Club, c'est important, vous êtes 700 abonnés, on a un objectif à 1000, c'est un peu laborieux mais on va y arriver, donc on compte sur vous. Allez, portez-vous bien, ciao ciao.